passer sans parler de lui. Merci. Il y a aussi beaucoup de hommes de Dieu qui sont venus. Amen. Le pasteur Patrick est là, le pasteur Chansard. Amen. Il y a plusieurs pasteurs, Patrick et oh, et puis la sentinelle de Jésus à qui, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé et ce local. Ah. Les frères Wafa, Claude. Voilà, donc ils sont aussi bénis. Mm. Ainsi que, sans oublier le maire des sept, la cadette qui nous accompagne aussi, elle est derrière la cuisine, c'est elle qui prépare tout. Elles sont aussi bénies. Je bénis toute la famille de l'apôtre, sans oublier aussi les hommes de Dieu qui se sont déplacés en grand nombre, juste pour élever le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel soit béni. Nous ne voulons pas tirer la gloire, que la gloire revienne à Jésus seul. Amen. Nous sommes simplement des simples serviteurs. Amen. Que la gloire lui revienne. Amen. Tu as fait le chemin, mais la vérité n'a plus été marquée. Tu te transmets maintenant la vie et la vérité. Fire! Thank you.
surveiller l'établir l'église locale. Mais que cette reconnaissance vous fait regarder comme des serviteurs. De la même manière que les gens ont mis témoignage, continuez toujours de faire le bien, car d'après les classes, celui qui sait faire le bien, s'il ne fait pas, il commet un péché. Que l'Éternel qui a établi les anciens, la l'Église, que cette prière, dans le nom de Jésus, si tu étais faible quelque part, si tu n'étais pas compétent quelque part, par cette prière, Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Et Dieu a dit à Moïse, si toi on n'écoute pas, par rapport au premier signe, il y aura le deuxième signe. Et ma main te communique ce que tu es capable de faire, car l'onction, c'est une capacité que Dieu donne à une personne de faire ce que lui-même est capable de faire. Reçois l'onction. Et diagona au nom de Jésus. Amen. Reste là, papa. Papa. Seigneur, je prie pour cette personne qui est devenue, qui a atteint dans cette assemblée par rapport au témoignage de l'Église. Donne-lui les capacités de toute sanité, l'intelligence et la sagesse afin qu'il soit capable de faire ce que l'Église lui demande de faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te oins par cette huile. Désormais, tu ne travailles plus sans protection, mais cette prière te servira de parapluie, cette prière te servira de la protection en qualité de garde de l'Église. Et continue à faire le bien. Montre que ce n'est pas en vain que la reconnaissance t'a été donnée, mais parce que tu n'as pas mérité, mais le don qui est à toi a fait des sorte que nous puissions reconnaître à toi cette qualité de dire à l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez vous lever. Maman Micheline, vous allez témoigner. Une minute. Oui, mais ça peut être comment. On va s'engager de voir un peu plus. Comme on dit la vie, ok. Tout ça va s'agir la vie, non. Comme on s'assure la vie. Dans la banque. Amen. Vous allez témoigner. Des pieds et des pieds. Tant que vous n'avez pas fort, hein. Il n'y avait rien, ça vient de l'autre côté. Mais, par la foi, la courage, la maman, mon cœur va au joie. Alors ça va gaper, à ce moment-là, ça va tout. Donc, c'est une barrière, mais. Tu Amen. Amen. Est-ce que votre limite au bénéfice? Amen. À ce moment-là, vous pas bien. À ce moment-là, vous bien. Vous bénéfice. Témoignage. Servir nous en la qualité où il y a diacre et puis il y a comme on a dit dans soupa et puis il y a soutenir œuvre en Zambé que le Saint dise amen. Amen. Bonne nuit, bonne nuit, diacre. Amen. Bonne nuit, bonne nuit, diacre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je passe le micro à notre bien-aimé Massa Chassa. Amen.
Nous sommes vraiment à la fin, s'il vous plaît. Les musiciens attendent. Il y a un communiqué que nous voulons donner en rapport. Et les sous-titres de l'Union. L'Éternel, mon Dieu, voici les personnes qui nous ont accompagnées, qui ont fait des sortes que les titres soient agréables, car tu sais, je les louanges et l'adoration. Tu as donné les dons et les qualités, les compétences, les potentialités. Et nous avons, Seigneur, vu, Seigneur, ce qu'ils ont dégagé. C'est grâce à eux que l'équipe est agréable. Seigneur, je t'en supplie. Même si nous donnons l'argent de transport, même si nous avons donné quelque chose, Seigneur, qui est matériel, mais nous demandons aussi la chose spirituelle. Parmi eux, Seigneur, ce sont tous les serviteurs et servantes de Dieu. Mais au moment où je parle, ils sont en train de travailler dans le département, Seigneur, de la musique, de la morale, de l'église qui en Christ. Il y a des gens qui ont soutenu des projets de CP, il y a des gens qui ont des projets, je ne sais pas quoi. Toi qui vois dans le cœur, bénis-les. Quand David chantait le mauvais esprit, sautait dans la vie des sols, David, il savait qu'il avait une option un jour, il deviendra roi. Seigneur, je ne sais pas ce que tu as réservé pour les servants et les serviteurs qui sont en face de moi. Mais ce que je sais, j'ai le projet de paix, mais mon âme est dans ma lèvre. Seigneur, bénis-les au-delà de ma demande. Accorde-les ta grâce, que les ciels soient favorables, que la raison du ciel tombe sur chacune des personnes ici présentes devant. Et que la grâce ne s'accompagne à jamais au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Et Dieu vous bénisse. Par rapport à séminaire Nengé qui s'est déroulé. Moi, c'est évangéliste Emmanuel de l'émission Le temps est proche. C'est une nouvelle émission. Ça se passe sur YouTube. Tout le monde toujours avec ce nom par rapport à Nengé séminaire qui s'est déroulé. Tout s'est présenté et puis, Webby Sibisson séminaire et les Kinéren. Parce qu'il est vivant, vraiment. C'est lui qui a permis que les séminaires se passent comme il faut. Mais présentement, je vais me présenter. Je m'appelle l'apôtre Ange Micheline. J'habite à Paris. Et là, je suis à l'église du Maroc. Et c'est le ministère international des disciples et combattants de Jésus-Christ de Nazareth. On a organisé cette séance de séminaire. Pendant 6 jours, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Il a délivré, il a guéri, il a détruit même la mort qui nous condamnait. Mais il nous a donné des révélations pour dire qu'on va gêner 3 jours. Le diable ne peut pas parler devant le Seigneur. Vraiment, c'était une réussite totale, totale et définitive. Amen. L'homme de Dieu, moi, tout soyez tant mis, vraiment, ça t'est. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je bénis tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Amen, l'homme de Dieu. Bonsoir, l'homme de Dieu. Oui, bonsoir. C'est votre émission, il est un proche. Je te limite toujours avec expression par rapport à un séminaire, une équipe. Oui, le séminaire et l'équipe, vraiment. Je suis présenté d'abord, pardon, l'homme de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu, le docteur Théophile. Et nous restons à El Shaddai, à Rabat. Donc on est venu ici, on a été vraiment édifié par la parole. Le pasteur Francis Lou là a parlé sur la vérité, les chemins et la vie. Donc nous avons été vraiment bénis. L'assistance aussi était vraiment merveilleuse. Les chantres, les protocoles, vraiment. Dieu a été au rendez-vous. Donc je bénis le Seigneur pour tout. Ok, merci beaucoup, pasteur. Pardon. Je suis le docteur Théophile. Théophile de l'église. Théophile de l'église El Shaddai. Merci beaucoup. Merci à toi. Et Dieu te bénisse. Amen, papa. Que je vais expression par rapport à ce séminaire de l'équipe. Je te présente aux amis. Bon, moi, c'est l'apôtre Jélicien Claude Lébois. Je suis de ce ministère. Je travaille aussi en collaboration avec la mission chrétienne à Inada, la moisson. Donc, mes impressions sont positives. D'abord, en partant du thème, aujourd'hui, nous voyons comment l'Église est hors du chemin. Hors du chemin, le chemin qui est de Christ, nous sommes hors du chemin. Hors du chemin, nous n'avons pas la vérité là-dedans.
Et quand nous n'aurons pas la vérité, nous n'aurons pas la vie. Donc le message a été clair. Donc nous demandons à l'Église de rentrer vraiment. C'est tout nous qui avons la responsabilité de conduire les peuples de Dieu, de rentrer sur le chemin et de leur prêcher la vérité. Les maçons doivent quitter l'Église. La Bible dit l'Église est la colonne et la poutre de la vérité. Nous devons enlever les maçons dans l'Église, les maçons dans la prédication, les maçons dans les prophéties, les maçons dans toutes sortes de ces récits que nous voyons aujourd'hui. Il y a tellement de manipulations. Le peuple de Dieu ne peut pas être des cobayes où nous venons expérimenter de nouvelles choses. Donc, merci beaucoup. Ce soir, homme de Dieu, c'est votre émission de temps proche. Nous limitons toujours interview par rapport à Nengé, Séminaire et l'équipe. Pour se présenter d'abord. Je me présente au nom de Pasteur Claude Litandi Madika. Donc vraiment, Tozaline Sengomingi, Nenge Séminaire Koeleki à Sidou. Donc je pense que Nzambe Asali Bikamo Oyaye. Donc, Toyamba Kibapaya comme Pasteur Francis Lola. Okay. Et puis. Maman apôtre Micheline, dont nous tous nous étions là, donc presque Rabat, je peux dire Rabat, dont on était bougé quoi. Donc Dieu vraiment a fait des miracles. C'est pourquoi nous sommes contents et c'était bien passé quoi. Ok, merci beaucoup, Pasteur. Bonsoir, c'est votre émission Le Temps est proche. Nous avons toujours il y avait certains de Dieu par rapport à ce même outil pour le cas. Bonsoir l'homme de Dieu. Oui, bonsoir. Donc, monsieur le journaliste. Par rapport à ce même outil. Bon, en fait, mes impressions sont les amis. D'abord, je me présente. Moi, c'est le révérend Pasteur Chansard. Mes impressions sont vraiment très grandes. Dans ce sens que séminaire Oyo, et ça séminaire Oyo et ça là qui symbiose entre Bassalanzambo Bazoumi dans Paris, là au Bazoumi dans Maroc. Donc au Bandaki depuis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et puis le lundi dimanche, et ça jour à clôture. Nakanisi, séminaire Oyo et réunir Bassalanzambo Nyonso Bazoumi dans Maroc, Bananzambo Nyonso et puis l'église Nyonso Oyo à Maroc. Né en Gomoni Toyaki et na bateau basalaki plus na honneur ezali bandeko to yambaki bauti Paris entre autres le révérend Francis Lola ainsi que l'apôtre Ange Micheline bangonde bat ba impacter biso na message ba impacter biso na prédication ba impacter biso na prophétie ba impacter biso na imposition des mains ba impacter biso donc na mama kambupena ebelé. Donc nous avons été grandement bénis. Donc yango moni ke tolobi nzamba zolokumu. Donc je pense que à la prochaine fois tokoye ba suko kuta na pona ko sala ya koleka o tuti ko sala. Donc merci beaucoup. Bon, vraiment, moi c'est votre humble serviteur, le révérend Pasteur Chansa Mbouz, donc ici au Maroc. Bonsoir l'homme de Dieu. Donc nous tous interviews par rapport à ce qui nous les gars. Vous se présenter d'abord. C'est vous votre émission, le temps est proche. Oui. Par rapport à ce séminaire numéro tous les gars. L'expression. La CPL Mig, la séminaire numéro tous les gars. L'homme de Dieu, Pasteur Francis Lola, il t'a parlé le lot. En tout cas, tu as été touché par rapport à un message. En tout cas, ça va pas pour l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Et moi, je rappelle en fait aussi, je dis que l'église, l'église El Shaddai, avec une autre temps à parce qu'il n'y a aucun homme de Dieu avec qui il y a un message. Un message n'est pas pour la mission. Nous sommes bénis ce message. Okay, que le Seigneur vous bénisse. En fait, c'est aussi. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, maman. Bonsoir. Tu as une expression par rapport au séminaire de l'Église. On va se présenter d'abord et pour être sur le séminaire de l'Église. Ok, le séminaire Oyo et où tu connais le thème était Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Hein? Vraiment, orateur Aya qui est un visionnaire. Tango pokwa mitambo na batula na ngai nyoso Nandimi lelo
bandila na ngai nyoso.